aujourd'hui, mesdames et messieurs, je vais vous apprendre comment faire un bon petit sandwich avec des brioches. Allez, bien sûr, et bien évidemment, un sandwich fait maison, évidemment. Hein. Bon, donc, pour cela, il vous faut du pain brioché et quelques petites garnitures. Donc, c'est parti, on va commencer tout de suite. 3, 2, 1, go. Allez, c'est parti. Voilà, donc, voilà, on va commencer par mettre des petits concombres. Voilà, parce que j'adore les concombres. Les concombres, c'est délicieux. Voilà, on va en mettre un petit peu ici. Voilà. J'ai oublié d'en mettre. Bon, c'est pas. De toute façon, je comptais justement en couper d'autres. Hein. Voilà. Attention, action. Après avoir mis quelques petits concombres, on va se permettre de mettre une petite tomate. Attends, on va dire par là. Voilà. J'ai mis quelques petites tranches chacune. J'ai pas mis beaucoup. Voilà, c'est bon, parfait. Ouh, excellent. Ça, c'est pas mal, ça. Ouh, c'est pas mal, ça. Et on va se permettre de mettre un petit peu de fromage élémental. Voilà. Attends, on va leur faire une petite place. Allez. Voilà, parfait. Allez, on se pousse, s'il vous plaît. Voilà, excellent. Attendez, on va voir si... Oui, on va se passer. Faites la place, s'il vous plaît. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, ça commence déjà un peu à se dessiner. Et on va se permettre de mettre un petit peu de fromage élémental. Voilà. Attends, on va leur faire une petite place. Allez. Voilà, parfait. Allez, on se pousse, s'il vous plaît. Voilà, excellent. Attendez, on va voir si... Oui, on va se passer. Faites la place, s'il vous plaît. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, ça commence déjà un peu à se dessiner. Après, on va se permettre un petit peu de charcuterie, notamment les petites tranchettes de salami. Voilà, des bonnes tranchettes de salami. Oh, que c'est bon. Oh, c'est parfait. Oh, que c'est bon. Voilà, et comme il faut encore un petit peu plus, on va se permettre de prendre une bonne tranche de brin de poulet. Voilà, les bonnes tranches de poulet. Oui, que c'est délicieux. Oui, que c'est délicieux. Oh, que c'est délicieux, les bons brins de poulet. Allez, encore. Allez, on va compléter. Allez, hein. On n'est pas pressé. Alors. Allez, des petits roulés de canapé. Allez, très bien. Dès que je mette la quatrième et dernière tranche pour crampeter. Voilà, excellent. Ne bouge pas. Hein. Voilà, comme vous voyez, là, ça commence vraiment à prendre forme. Et après, on va mettre un petit peu de sauce. Allez. Attention et action. Et pour terminer, nous allons finaliser le tout en mettant une bonne sauce frite. Voilà, une sauce saveur pommes frites. Voilà, c'est ça. Et excusez-moi, tu me demandais c'est quel genre de sauce c'est. En fait, c'est une sauce pommes frites. Voilà. Voilà, parfait. Allez. Voilà, bon, je pense que ça devrait être. Voilà. Bon, c'est bon, il ne reste plus qu'à l'assembler. Voilà les gens, c'était donc notre vidéo spéciale dégustation consacrée au sandwich brioché fait maison. Oui, alors j'en ai fait deux. Je voulais au départ en faire un, mais j'avais peur que j'ai pas assez de place, voilà, mais c'est pas grave. Je me suis compté de deux, hein. Il vaut mieux deux qu'une seule. Très bien. Allez, on va commencer par manger et le tout premier. Voilà. Très bien. Voilà. C'est parfait, mesdames et messieurs. Et cela dit, bon appétit, bien sûr. Bien sûr. Tout à fait délicieux. C'est pas mal du tout, hein. Surtout que ça se marie très bien avec le pain brioché, je sais pas pourquoi. Mmh.
Eh, ça va, c'est. C'est très goûtu, hein. Voilà. Attends. Sans déconner, t'es excellent. Bien, bien. Ah. Ouais. Ah. Remarquez, c'est un petit peu mieux que bouffer un Big Mac. Hein. Ah. Ah ben savoureux. Savoureux, savoureux, savoureux. Ah. Plus, la sauce pomme frite, je me souviens pas d'avoir goûté, mais franchement, c'est... J'y goûte aussi, hein. C'était sûr. Voilà les gens, c'était donc notre vidéo spéciale dégustation, comment faire faire un sandwich fait maison avec de la brioche. J'espère que ça vous a plu parce que moi j'ai savouré. Franchement, pardon, j'ai savouré tellement, c'était délicieux que le petit deuxième qui est juste là, je le mangerai après la fin de la vidéo. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si, mais comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut, portez-vous bien et rendez-vous pour de prochaines vidéos spéciales dégustation. Bye! Oh, et puis tant j'y pense, j'aimerais dédier ce cadeau.